Bonjour de partout, vous me suivez et bienvenue sur Petit Plat. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et après une semaine d'absence. Et voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du poisson pané. Oui, le vrai poisson pané avec un bon goût de poisson, la famille. Pour commencer, moi, je vais utiliser du merlan. C'est un poisson cru, déjà désarrêté. J'en ai eu pour 5,45 euros, 5 filets. Donc, c'est largement assez pour nourrir 4, 3 personnes. Ça dépend si vous êtes gourmand. Après, vous faites avec le poisson de votre choix que vous aimez. Donc, je vais commencer la première étape, assaisonner mes filets avec le bouillon de poisson. La famille, s'il vous plaît, arrêtons de consommer certains poissons panés du commerce qui n'ont aucun goût de poisson. Et en plus, ce n'est pas bon pour la santé. Voilà, donc je vais réaliser le mélange chapelure, c'est la chapelure dorée, la farine, quelques herbes aromatiques dont je vous mettrai les proportions dans la description de la vidéo. Et ensuite, je vais battre les œufs en omelette. Et une fois c'est fini, je vais recouvrir mes filets à paner du mélange. Ensuite, je le passe dans l'œuf battu. Je vais ensuite le rouler dans la chapelure, la farine. N'hésitez pas à tapoter légèrement votre filet pour enlever l'excédent de la farine ou de la chapelure. Et une fois c'est fini, on passe à la friture. Donc j'en ai pour 4 à 5 minutes de chaque côté, ça dépend de votre gazinière. Regarde-moi comment c'est doré, la famille. C'est bien doré. Servez avec tout ce que vous voulez, le frites, le pomme de terre, du riz, avec tout ce que vous voulez. Je vous montre, regarde-moi ça, ça donne envie. N'est-ce pas qu'on mange sain en faisant nous-mêmes nos poissons panés? J'espère que la recette vous a plu, la famille. Je vous montre l'intérieur. Regarde-moi la croûte, elle est bien croustillante. Vraiment, likez la famille, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, encouragez-moi, regarde-moi ces poissons, ça me donne envie de manger. Je vous remercie de m'avoir suivi.